Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Alger, scandale au niveau de la police algérienne, corruption, abus de pouvoir, limogeage de haut gradé de la police. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo le bip qui vous avise qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Cliquez sur la cloche, vous recevrez un bip de la part de YouTube qui vous avise qu'il y a du nouveau sur la chaîne Akhbar El Bled. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, on s'en charge. Bonsoir. Un énorme scandale touche la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la police algérienne, le contrôleur de police Rafik Terfes, le service central de la lutte contre le crime organisé de Saoula à Alger, l'une des organismes les plus importants de la DGSN, a été relevé de ses fonctions et limogé à la suite de son implication dans un scandale de corruption et d'abus de pouvoir. C'est ce qu'a pu confirmer une revue algérienne à l'étranger. Ce limogeage a été décidé le jeudi dernier. Un limogeage surprenant, car Rafik Terfes jouissait de la confiance absolue de son patron, le directeur général de la Sûreté Nationale, Farid Zinedine Benchir, ainsi que de nombreux autres hauts responsables du pouvoir algérien. Depuis la fin octobre 2021, ce Rafik Terfes a été chargé de mener d'importantes enquêtes sur des dossiers très sensibles qui relevaient de plusieurs affaires d'enrichissement illicite et de détournement d'argent public. Malheureusement, il s'avère que Rafik Terfes est lui-même un personnage sulfureux qui n'est pas exempt de tout soupçon. Preuve, ce haut responsable de la DGSN a été dénoncé par des faits graves de corruption et d'abus de pouvoir. Une contre-enquête menée par d'autres services de sécurité a pu démontrer que Rafik Terfes a été le principal artisan de l'arrestation brutale de l'homme d'affaires Mohamed Arzqi Aberchen, ainsi que de son placement en garde à vue pendant toute une longue semaine au sein des locaux du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Ceci sans aucune justification légale, puisque les griefs détenus contre ce chef d'entreprise se sont avérés insignifiantes et porte sur des dépenses personnelles en devises et quelques milliers d'euros. En vérité, Rafik Terfes a instrumentalisé ses fonctions de haut responsable de la DGSN pour monter des charges fictives contre cet entrepreneur et justifier ainsi sa détention arbitraire. Des rapports sécuritaires accablants contre Rafik Terfes ont pu démontrer que ce haut responsable de la DGSN a abusé de son pouvoir pour influencer les enquêteurs en charge du dossier, afin de les contraindre à falsifier les accusations retenues à son encontre dans le seul but de manipuler les magistrats pour les amener ensuite à prononcer un mandat de dépôt synonyme d'emprisonnement pour ce chef d'entreprise, ciblé par une manœuvre machiavélique qui lui a valu un sort triste, comme vous le savez. Rafik Terfes a servi donc de principal relais pour cette manœuvre de manipulation élaborée dans le sillage d'une guerre de clans empoisonnant le sérail algérien. D'autre part, le chef du service central de lutte contre le crime organisé est également impliqué dans une sinistre affaires de chantage et de corruption lors d'une récente enquête diligentée par cet organisme de la DGSN. Rafik Terfes avait pris attache avec Mohamed Aoun, ex-PDG de l'entreprise nationale de promotion immobilière, pour l'auditionner et l'interroger à propos des affaires florissantes mais douteuses dans le secteur de l'immobilier du milliardaire déchu Omar Ben Abdallah,
Rafiq Telfes a usé de son pouvoir et de ses fonctions pour faire du chantage à Mohamed Aoun et lui réclamer un pot de vin, une somme d'argent conséquente, en lui promettant de retirer son nom de cette enquête pour lui éviter des soucis avec l'appareil judiciaire. Choqué et scandalisé par ce chantage inqualifiable, Mohamed Aoun a alerté l'entourage du chef de l'État, Abdelmjid Hachakoum. Pour dénoncer cette dérive dangereuse, Mohamed Aoun fut par le passé l'un des collaborateurs les plus proches de Abdelmjid Hachakoum, le président, lorsque ce dernier dirigeait le secteur de l'habitat de 2012 à 2017. Jusqu'à aujourd'hui encore, Mohamed Aoun entretient une relation amicale avec l'actuel chef de l'État. Abdelmjid Hachakoum est entré rapidement dans une colère noire lorsqu'il a été saisi par son ancien collaborateur à propos de cette pratique scandaleuse de Rafiq Telfes. Et c'est ainsi que le patron de la DGSN a été pressé de limoger dans les plus brefs délais le chef du service central de lutte contre le crime organisé, en attendant d'éventuelles suites judiciaires à ce scandale inédit qui continue à faire couler beaucoup d'encre au sein de la police algérienne.